Et puis nos amis seront sur le bord de route, nos amis bénévoles. Un parcours très nature qui va vous permettre de longer la côte, de découvrir un petit peu la belle côte qu'on a étrée. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti pour nos amis coureurs. Allez, vous voyez, on court à l'allure qu'on souhaite. Il y en a qui sont venus réaliser des belles performances, donc pour faire leur footing. Voilà, Sébastien Godard, encore une belle victoire après sa victoire au Trail du Canal sur les 12 km et l'arrivée du poursuivant qu'on peut applaudir également pour l'applaudir le Dumont. Victoire des 7 km, encore régulier, Siegfried. Voilà, Mathieu Chardy également avec son frangin. Bravo frère Chardy, 25 minutes 6 pour Mathieu Romain, bravo Alexandre Marle, le Rochelet. Il va terminer 9e de ces 7 km, on peut l'applaudir. Félicitations. Philippe Lopez là. Bravo Philippe, un habitué hein, d'habitude sur semi. Philippe, 7 km, 28 minutes 24, bravo Mickaël. Allez, derrière Mickaël, on retrouve pour la 12e place, on peut le féliciter. Allez, après Christophe, on accueille un nouveau concurrent. Félicitations à Damien Danglou. 29 minutes, on peut le féliciter, notre ami Quentin. Quentin, ami Francis. Voilà, bravo à tous les deux. Francis Lacusca, au Nice Athlétisme, à dire également. Félicitations à lui. Première féminine qui va arriver dans le top 20. Félicitations donc à Lisa Madi, qui remporte ses 7 km, accompagnée de Léon Pascali. Et on va féliciter l'arrivée notamment de Venceslas Zemouri, notre ami de Brissac, Loire-Orient, qui va terminer 3e de l'US Egrofeu Athlétisme. Bravo Marie, Jérôme Millet vient d'arriver. Félicitations à Yves Guillaumard. Félicitations également derrière Yves, on accueille Jonathan, on félicite Stéphane Godefroy et notre ami des Gros Feuilles, François Blodin. Voilà, salut Karine. Bravo. On va accueillir tout d'abord Olivier Odon. Bravo Olivier. Bravo à Patrice Bure des 1000 pattes de Surgère. Et félicitations à Dino Bernard. Deuxième féminine, c'est pas une surprise aussi, Aurélie Richard. Belle arrivée pour Maxime. Il va nous réaliser un bon chrono. Voilà, 1h06min40s pour Maxime. J'ai couru chez les Grands Prix de Duathlon, donc c'est des compétitions pas très connues, mais où il y a le niveau est assez très très élevé. Enfin, c'est même les courses, clairement, avec les grands prédateurs, la quantité la plus importante en France. Ça veut dire que, par exemple, en course à pied, il faut être dans les avant-postes pour courir à 20-21. Les meilleurs, ils courent moins de 29 au 10 km, et les moins bons, ils courent 31 au 10 km. C'est le... Il termine 3. C'est quoi, c'est le grand, vous voyez, les athlètes qui rentrent dans le stade. Dans le stade et sur la plage. Et on va notamment accueillir deux concurrents qu'on peut applaudir, qu'on peut féliciter. Voilà, qui en termine. Donc Marion Bordelais. Félicitations à Marion. Bonjour, bravo.